Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui va parler de ce thème incontournable de nos jours que les jeunes aiment pratiquer autant que les jeunes adultes, c'est-à-dire le jeu vidéo, le gaming qu'on aime. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur... Aujourd'hui, on se retrouve sur Doom. Eh ouais mon gars, y'en a marre de jouer à des jeux de tapel. Aujourd'hui, on va se mettre... un vrai jeu vidéo pour les bonhommes et les demoiselles. Ta gueule, toi. Si comme moi, t'es en manque de ta dose de testostérone, eh ben, t'as choisi la bonne vidéo, mon gars. Aujourd'hui, on va se faire un niveau sur Doom. On va éclater tout ce qui passe. On va tout démonter. T'es prêt? Assieds-toi confortablement et laisse-moi te ramener dans le monde qu'est la réalité. Ok, donc on est parti. Je vais peut-être reprendre une voix normale, moi, avant de me péter la gorge avant la fin de la vidéo. On est reparti, les gars, pour le niveau sur la fonderie, si je ne m'abuse. C'est parti. Et première chose très importante qu'on va faire dans ce niveau, c'est retirer ces putains de lunettes, parce que je ne vois rien du tout. De votre arsenal en mesurant votre efficacité en combat. Ok, premier ennemi. Tu sais pas qui on est, nous. Tu sais pas qui on est. Ah mon gars, oh, ça m'avait manqué. Bim, vous êtes tous morts. Oh damn. Fuite de gaz détectée. Ah, c'est pas moi qui ai pété, hein, madame. Ça, je vous le jure, c'est pas moi. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Comment ça que c'est refusé? T'es qui pour me dire ça? Oh. Ok, il va falloir le suivre, je suppose. Ah bah t'es là toi. Désolé, on a besoin de ça. Promis, je te le rendrai. Bah. On s'amuse nous, hein. Wow! Et putain, il m'a fait peur, il était pas là à l'aller. Pose sa mimine. On voit bien le cubitus. Oui, oui, c'est un très bel os, c'est un très bel os. Alors, accès refusé. Il n'y avait pas des flammes ici, 2 secondes avant. Ok. Ok, j'ai compris. Tu me comprends, je te comprends. C'est parti. Go. C'est parti, on sort le shotgun, mon gars. Ça dégage, bam! Bim, t'es mort. Oui, monsieur. Oui. Vas-y, mais meurs! Putain, il est encore plus dur à tuer que le Covid, lui. Vas-y, il prend combien de coups de feuille de la pompe? Il est où? Eh ben alors... premier nid détruit. Bon alors, on meurt direct. Hello, hello. There is somebody here. Attention, température du cœur en augmentation. Oui, oui, on connaît tout ça, on connaît. Allez, à une main, je te nique, moi. Ce bon rock métal dans les oreilles. Qui vient juste de partir pour le moment où je dis ça, très bonne idée. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. J'ai l'impression que les ennemis sont moins forts qu'avant. Faut moins de coups pour les tuer. Après, c'est peut-être parce qu'on est devenu un vrai bonhomme. Ou alors qu'on a peut-être fait quelques améliorations sur les armes. Je pense que c'est ce qui est le plus véritable en vrai. Oh, ouh. Le précieux. Le précieux, il a un nouveau pété le précieux. Ok, qu'est-ce qu'on augmente? L'armure, la santé, allez l'armure. Oh. Toi t'es mort. Oh bah. Oh non, pas eux. Tu
dégages, tu dégages. Non. Ouf. Oh là 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 là. On est dans la merde, on est dans la merde. Oh, on a récupéré qu'un peu de vie, mais genre c'est pas suffisant là. Oui, meurs. Voilà. C'est quoi ça? Oh, le... il a la carte d'accès jaune. Parfait pour nous. Wow, 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 wow. C'est quoi qui explose là? Wow, wow. Ils arrêtent jamais, hein. Tu dégages. Wow, 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 wow. C'est quoi ce truc? Oh là là, on te défonce, nous. Putain, c'est gigantesque, quand même, ce truc. Pas intérêt à se manger un de ces coups. Ah, il nous voit un truc avec lui, je déteste cela. Je sais jamais comment les battre. Voilà. Faut les contourner au moment où ils s'y attendent le moins. Putain, on s'aventure, mais du coup, j'ai l'impression qu'on se perd totalement. Je suis où, là? What? On est où, là? Ah, il y a des méchants. Il n'y a plus de méchants. Ah, il y a un autre chemin par ici. Tu peux dégager, s'il te plaît, merci. Hop là, go, 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 go. Où est-ce qu'on va arriver maintenant? Oh! Très bel endroit. Tu dégages du chemin, s'il te plaît, merci. Oh là là, mon gars, le nombre d'ennemis. Wow! Hey. Réparti ici, réparti. Wow, je l'ai raté. Oh bah t'es mort quand même. Oh là là. L'explosion dans la gueule. L'explosion à côté du corps. Putain, j'ai plus beaucoup de munitions là en vrai. Y'a pas un endroit où je peux choper des munitions là? J'ai peut-être un truc en fait pour choper des munitions. Voilà. Oui. Et là on chope plein de munitions mon gars, parce que quand on transforme les gens, c'est bien connu, il sue des munitions mon gars, il sue des munitions. Ton sang sera ma munition mon gars. Voilà. Hop, headshot. Non, pas avec nous monsieur. Pas avec nous. Enchanté. Bah. Crève. Ok. C'est petit moment de genou là, 2 sur 4, ok. Donc on doit encore détruire 2... Voilà, faut encore 50% du coup de méchants dans la plateforme. Oh. Désolé mec. J'avais rien contre toi mais bon. T'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Contre le Kaïd. Hop là, 360. Et on sort. Alors, alors, alors... Quel endroit on n'a pas encore fait? Putain, on s'y perd là-dedans. Oui, je sais, on n'a pas encore été. Wow, wow, wow. Oh là. Oui. Ah putain, mais il m'a fait peur, lui. Tombe dans le vide. Voilà. C'est qui le patron? Attention, t'es qui pour nous dire ça, nous? On doit faire attention, on a n'importe quoi. Oh là! Allez, crève! Merci. Voilà, rafale, mon gars, rien à tiquer. Voilà. Oh là là, les mecs, c'est chaud, là. Wow, 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 wow. Si tu veux être aussi un homme, ça sert à rien d'essayer de prouver comme ça, hein. Ça sert à rien. Voilà, voilà ce qu'on en fait, nous. Là, je te fais exploser, je te fais exploser, mon gars. Oh, je sais ce qu'il y a après d'ici. Ah bah, bonjour. Ça, ça dégage, merci bien. Maintenant, gros rock dans les oreilles. Vous savez pas qui je suis, moi. On m'appelle le tronçonneur des moissonneuses batteuses. Un cul sur Doom depuis 2 semaines. Ouais, y a un mec qui tire là. Il est passé où? Ah bah, comme on se retrouve
C'est tout? Mais mec, il y avait vraiment personne qui le défendait, hein, celui-là. Ah bah non, il y avait lui en plus. Oh là, cette petite claque comme ça sur le côté. Bon, c'est plus un gros punch dans sa gueule qu'une petite claque, mais... Oh, tellement joli, Sif. On monte. Bonjour. Oh là 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 là. Oui. Oui, voilà. Oh mec, ils sont forts hein, quand même. À chaque fois j'ai peur qu'ils m'écrabouillent comme si j'étais un petit insecte de merde. Ah bah j'ai trouvé le dernier. Toi je te défonce, ok. Toi t'es qui? Tu restes dehors, ok. Ok, c'est parti. Oh ça dégage, oui monsieur, la violence. C'est ça qu'on recherche. Je vais t'appeler Thierry, t'as bien de t'appeler Thierry toi. Je suis désolé pour tous les Thierry. Cœur sur vous, je vous aime. J'entends des bruits mais je vois aucun monstre. Ah bah. C'est toi qui gueulais depuis tantôt là. Ta gueule. Manière la plus stylée au monde de dire ta gueule. Bon après ne le faites pas hein. Sinon vous allez dans un endroit qui s'appelle la prison. Bah. Dégage. Oh là là, non pas eux. Non, j'ai loupé. J'ai fait un bruit sonore et ça l'a tué. Peut-être qu'il a des oreilles très sensibles. What? Mais il me dit que le nid est fini et après là, 2 ans plus tard, je vois ça qui déboule. C'est quoi cette connerie? Voilà. C'est bon, c'est enfin vraiment fini là ou il y en a encore un qui va surgir en mode « Coucou, je suis là !» Il faut qu'on protège ces réacteurs. Bah c'est bon, les réacteurs sont morts. Ils sont détruits. On a perdu. C'est quoi cet endroit où tout explose comme ça? Il est où le technicien? Mais putain, la porte qui me tue quasiment là, c'est quoi ces conneries? Attention, la température du cœur atteint un niveau critique. C'est la température de mon cœur qui atteint une température pas possible quand je t'entends parler. Ça c'est une phrase de Lover, hein, prenez note. Allons-y, hein. Oula. Ok. Vous savez pas qui je suis moi aussi, hein. Je vais vous apprendre qui je suis un peu. Gérard, la moissonneuse-batteuse. Et il est où? Vas-y, meurs! Il faut lui foutre combien de coups dans le cul là pour qu'il crève? Non! Je suis tombé dans le vide. Bonjour, alors ouais, excusez-moi 2 secondes, mais voilà. Juste tu, toi, retournez, et c'est la mort. Là, je vais te montrer pour qu'on m'appelle le professionnel, moi. Parce que 360. Dans le Ventos. Bah. Je crois que tu m'as pas laissé monter. T'es un ouf. What? Oh là là, et toi? Oui, on s'est tué les grands avec la tronçonneuse. Oh, par contre, ça a liquidé toute la puissance de la tronçonneuse d'un coup, quoi. En même temps, ce serait un peu cheaté si on pouvait tout situer comme ça. Comment t'essayes de me faire peur? Allez, viens ici. Voilà. C'est tout? Ça tremble, ça veut dire que c'est pas tout ça. C'est mauvais signe. Tu peux dégager s'il te plaît, merci. Wow. Oh ouais. Mais tu vises bien toi mon salaud, hein, pas comme moi. Ouh la santé faible ça, ça sent mauvais ça. Oh oh. Ça sent pas bon du tout, ça, par contre. Elle a un deuxième, en plus! Oh là 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 là. Un bon petit fusil d'assaut. C'est une blague ou quoi? Il crève jamais! Oui! Je vois que ça me redonne assez de vie, quand même. Oh, c'est vrai, ça me donne la blinde de vie. Toi, t'es foutu, là. Oui, monsieur, oui. Même les deux gros baraqués de votre bande, ils ont rien su faire contre moi et toi t'es le dernier. Alors reviens ici. Putain, mais il s'enfuit, hein. C'est foutu pour toi. Eh ouais, mon gars. Vous êtes tous niqués. Hein. Et là, on rentre de manière sciée, bien lentement dans la pièce.
On demande un peu, salut, ça va toi? Qu'est-ce? Enfin, un petit clin d'œil à une personne qui était censée être là. Et là, on ouvre. Et oh putain de merde! Ah, mais c'est la connasse là! C'est la connasse de l'épisode 1? Il essaie d'ouvrir un portail entre leur monde et le nôtre. Elle essaie d'invoquer la blinde de monstre en gros. Ça va capoter, c'est ça? Vous n'auriez pas réussi à le sauver de toute manière. En fait, c'est même pas une vidéo en hologramme, hein. C'est vraiment les derrière là. Pourquoi tu détruis pas la vitre, mon gars? Bam! Gros coup de vitre et tu rentres, tu lui défonces sa gueule. Il va pas me dire que c'est trop violent pour toi. Hein. Wow! Tu dégages, toi. Ah, ok, ok. Comme ça, quoi, dans la violence. Putain, on voit que dalle. Vous pouvez pas mettre un peu plus de lumière, s'il vous plaît? Arrêtez la fusion, terminée. Ah. Seule Olivia peut contourner le système. Nous allons devoir désactiver la tour. Elle est où? Depuis la surface. Boum, niveau terminé, mon gars. Mais du coup, donc voilà, c'était la petite vidéo sur Doom. Pour bien se lâcher les nerfs, décompresser. Un jeu comme ça, sincèrement, ça fait vraiment du bien. Tu joues de temps en temps quand t'es nerveux, quand t'es pas bien. Tu joues un bon coup et toute ta pression, elle part d'un coup. Par contre, sincèrement, je conseille à ceux qui jouent de jouer en débardeur. Parce que moi, personnellement, ça me donne chaud ce jeu. Mais beaucoup, beaucoup trop chaud. Et du coup, donc voilà, fin de vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. C'est gratuit. Comme je le dis à chaque fin de vidéo, tu peux pas savoir à quel point ça me ferait plaisir si tu faisais tout ça. Moi, ça me permettrait vraiment de m'élever vers les cieux de YouTube. Mais donc, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Normalement, mercredi, il y aura le Let's Play, épisode 4, si je me trompe pas, de Little Nightmares qui va sortir. Mais du coup, en attendant mercredi, je te dis ciao, prends soin de toi et à la prochaine.